Allez, mettons-nous en route. Si les voiles ont tenu. Ares hipermeneta, ares prisamate, ares criseopilis, ares tramonite, ares hipermeneta. Ça m'étonnerait qu'il puisse ramer plus vite. Préparez-vous. Allons aussi vite qu'il est possible. Contre ces pirates. Les mers sont plus dangereuses. Maintenant qu'Athènes et Sparte sont à couteau tiré. Il nous faut des recrues pour renforcer l'équipage. Je sais par où commencer. Le meilleur archer que je connaisse. Il nous serait très utile. Et on peut le rencontrer? Eh bien, il va falloir que tu le persuades. Qu'est-ce que tu veux dire? Fais-le monter à bord, et moi je lui parlerai. Quelques drachmes me faciliteront les choses. Donc si j'ai bien compris, il faut que je l'assomme. Non, non. Enfin, peut-être l'amadouer un peu. Ensuite, tu l'amènes à bord afin qu'on puisse discuter. Tout se passera bien, je t'assure.
Donnez-moi cette voile! À la voile! Voilà l'île. On va devoir faire attention. Allez! On devrait envoyer une carrosse reconnaître l'île. On va pouvoir relever ce défi, capitaine! Les rameurs doivent reprendre leur souffle. Il faut laisser les rameurs se reposer. Capitaine, il faut se préparer aux hommes ou s'écarter. Vous êtes libre jusqu'à nouvel ordre. Voilà ma cible. Ah! Elle est là!
Aujourd'hui, tu gagnes ta liberté. Viens naviguer avec mon équipage. Ce sera une bonne recrue pour l'équipe. Je vais plus loin, je vais s'arrêter.
se battre. Aidez. Malaga, ils vont nous détrôner. Les rameurs ont besoin de repos. Attendons tes ordres, capitaine. Oh!
rameur est récupéré, capitaine. Allons-y. Bien, cet homme fera une recrue de choix. Est-ce que ça suffira? Ne t'en fais pas. Nous aurons des tas d'occasions de recruter des gens par la suite. Quelque chose me dit qu'on va en avoir besoin. Nous devrions voguer vers Mégaris. Traverser peut être agréable, mais les nôtres sont parfois agités. Si tu veux un peu d'animation, mon tableau d'affichage est là-bas. J'y note tout ce qui peut être intéressant. La guerre a transformé le monde. On n'a pas affaire à des Spartiates ou des Athéniens. Ce sont des bandits et des pirates. Et je nous garde. Oh, aviron ! Vitesse maximale !
cela n'est pas de ce monde. Qu'est-ce que c'était que ça? Je n'ai pas l'impression de pouvoir franchir cette porte. Une autre fois, peut-être.
Ah, merci aux dieux de t'avoir envoyé. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est ton équipage? Des pirates. Ils nous ont presque tous tués, mais ils ont emmené mon frère. Il faut que tu l'aides. Marin, je vais t'aider à trouver ton frère. Je suis pas marin, je suis charpentier. Et mon frère aussi. C'est notre père qui nous a appris le métier. Intéressant. Notre navire aurait besoin d'un charpentier. J'ai travaillé sur des navires et réparé des coques qui avaient des trous aussi gros que le point de Poséidon. Alors, sauve mon frère et je rejoindrai ton équipage. Marché conclu. Où est-ce que je vais trouver ces pirates? Il y a une île à l'ouest de la baie aussi et au sud du mont Helicon. On dit qu'ils viennent de là. On va trouver ces pirates et libérer ton frère. Thank you.
trouver, on travaillera plus. Alors allons chasser ces pirates. Une aile et de la sueur, les gars. Ramez comme si vous aviez fermé sur les talons. Les Athéniens, ils ont bloqué l'entrée de la baie. Préparez vos avirons. Là, c'est navigué. On ne peut pas aller plus vite. Réduisez la vitesse. Prenez vos postes. Ils s'apprêtent à nous éprôner. Vite. Attention! Il veut nous éprôner! Attends!
J'aurai des ennuis. Prends ton destin entre tes mains et viens naviguer à bord de mon navire. Ton frère qui m'envoie. Ah, Celia. Il faut toujours qu'il envoie quelqu'un faire le sale travail. Je suis dans quel état? Tout va bien se passer. C'est gentil. Tu mens très mal, mais c'est gentil. Quel message veux-tu que j'apporte à ton frère? Dis à mon crétin de frère que je... Yeah!
À éviter un combat, je dois rester caché. Mon frère, où est-ce qu'il est? Il n'a pas survécu. Je regrette. Oh non, non, non! Je vous maudis, Dieu cruel! Il n'y avait pas de Dieu sur ce bateau, seulement des pirates. C'est moi qui l'ai supplié de m'accompagner. Il détestait la mer! Tenir une lance m'a souvent aidé à oublier la peine. Si tu es prêt à tenir parole, nous te donnerons un marteau. D'accord. Il n'est plus rien qui me retienne ici. Déployez la voie.
Dans ces parages, il me faudrait de meilleures armes. Le loup ne fait pas de prisonnier. Voyez, comme ce chien athénien de Périclès vous craint. Il reste terré dans son Parthénon, entouré de dramaturges et de sophistes. Il n'ose pas vous affronter avec honneur sur le champ de bataille. Il connaît votre force. Il sait que les jours d'Athènes en Mégaris sont comptés. Et il sait que le tour d'Athènes approche. Toi, tu as vaincu le blocus athénien ? Ils étaient sur ma route. Sparte te remercie. Tiquet t'a béni, jeune fille. Tu es arrivé à temps pour voir mon père remporter une grande victoire. Tu ne peux pas être son fils. On m'a dit que ses enfants étaient morts à Sparte il y a longtemps. Il m'a recueilli et adopté, après la perte de sa famille naturelle. Je l'honore chaque jour, de toute mon âme. Parfois la vie réserve des surprises. Et l'histoire emprunte des chemins étranges. Au-delà de la volonté des hommes. Tu parles comme si tu y avais assisté. Peut-être bien. Sornette, tu es trop jeune pour avoir assisté à ce genre de choses. Mais oublions le passé, parlons de l'avenir.
Que vient faire une mercenaire dans une guerre pour laquelle on ne l'a pas engagée? Dis-moi la véritable raison de ta présence ici. Je n'ai pas de temps à perdre. Aider Sparte est un honneur. Je suis venu offrir mon épée au loup de Sparte. Si tu tiens à servir mon père, je t'invite à me rejoindre. Tu me prêteras main forte. La flotte a été détruite, mais Mégaris demeure entre les mains d'Athènes. Avant de livrer bataille à l'ennemi et de le renvoyer chez lui, nous devons l'affaiblir. Pourquoi as-tu besoin d'une mercenaire pour une telle mission? Tu n'as pas l'air de manquer de soldats. Ce n'est pas une question de troupes. Les habitants sont nos alliés. Nous ne voulons pas engager de soldats sans être certains de remporter la victoire. Mes éclaireurs sont à la recherche de cibles majeures à attaquer. Si tu me paies, je t'aiderai à chasser les Athéniens de Mégaris. Les mercenaires. Tu n'as ni honneur, ni sens du devoir. Je préfère te savoir avec nous que chez l'ennemi. Les Athéniens ont déjà un mercenaire à leur service. Ils n'ont pas besoin d'aide. Si nous parvenons à attirer le chef athénien et à le tuer, nous écraserons ses forces sur le champ de bataille et les renverrons à Athènes. Détruisons son ravitaillement, volons son trésor de guerre, éliminons ses meilleures troupes, et il sera vulnérable. Prends ceci et montre-le à mes éclaireurs. Si tu les vois sur le champ de bataille, demande-leur ce qu'ils ont trouvé. Il risque aussi d'avoir besoin de tes talents. Je crois savoir ce que je dois faire. Rappelle-toi que chaque soldat athénien que tu tueras nous rapprochera de la victoire. Et une fois que j'aurai mis les Athéniens à genoux pour Sparte, je rencontrerai Nikolaos, où je m'occuperai de toi. Bien. Envoie tous ces chiens et sophistes d'Athènes au royaume d'Hadès. Triomphe, misthios, et le loup veillera personnellement à ta récompense. Je veux approcher du loup. Je vais devoir aider Stentor à vaincre les Athéniens. Bon, ne perdons pas de temps. Qu'est-ce que je peux pour toi? Reviens quand tu voudras. Ah, voilà de la clientèle. N'hésite pas à revenir.
me remarque. Allez. Ça. Elle n'aura pas autant de chance la prochaine fois. Va, on aura une autre chance. Mieux vaut se méfier. L'endroit est bien gardé. Qu'est-ce que tu viens faire ? Thank you.
Recule. Sac à main. Ne reviens pas avant d'avoir la tablette. Oui, Polémarque. Tu as perdu quelque chose? Pas perdu, mais volé. C'est Stentor qui m'envoie. Il a parlé d'ennui avec des espions. Je préfère un espion athénien à un traître spartiate. Dans tous les cas, il faut le trouver. Il a pris une tablette portant des informations cruciales. Où est cet espion? Toujours dans le campement? Si je le savais, je me passerais de toi. Je doute qu'il soit encore là, mais il n'a pas pu aller loin. Il a été blessé quand il a tué le garde. Quel qu'il soit, il paiera pour avoir trahi Sparte. Misthios, si cet homme est un Spartiate, fais-le souffrir avant de le tuer. Ta tablette te sera rendue. Et le coupable sera puni. Je reviendrai bientôt avec ta tablette. Les montagnes et les forêts de Mégaris sont dangereuses, et il n'a sûrement pas agi seul. Je suis parfaitement capable de m'occuper de ton espion. Kéré. Campement. Je veux savoir où se trouve chaque Spartiate. Par Apollon, vous dormiez tous autant que vous êtes. Qu'on trouve ce chien de traître. Thank you.
prêt. C'est le voleur. Allez. Bien sûr que je l'ai eu. Mais ces chiens m'ont blessé pendant que je m'enfuyais. Ah, dommage. On ne peut pas se laisser ralentir. Le bon côté, c'est que ça fera moins de monde pour. Voilà ce que je cherche. Attends. On n'est pas obligé de faire ça. Désolé. Non. Juste à temps. Qu'est-ce que tu veux? Qui es-tu? Je suis celle qui va rapporter la tablette que tu as volée. Donne-la-moi. Je ne partirai pas sans elle. À la guerre, il n'y a pas de vainqueur. Mais il y a des occasions. On pourrait peut-être s'arranger. À quelle sorte d'arrangement penses-tu ? Tiens, prends la tablette. Et ça, pour ta peine. Personne ne sait qui je suis. Inutile de faire une autre victime. Pars, mais que je ne te revoie jamais. Je dois rapporter cette tablette au commandant. Géraneia est redoutable. C'est sûrement là que les Athéniens gardent leur trésor de guerre. Icaros peut m'aider à trouver ce que je cherche. Thank you.
Je dois m'emparer du trésor et repartir discrètement. Les soldats athéniens auront moins envie de se battre si on ne les paie pas. Thank you.
Je veux savoir où se trouve ça. Tu as réussi à trouver le coupable ? Voilà ta précieuse tablette. Tâche d'être plus prudent à l'avenir. Merci. Il y a trop d'amateurs, ça gâche le métier. Je n'ai pas intérêt à ce qu'on me remarque. Yeah.
C'est peut-être un éclaireur de ce temps-là. Il a l'air d'avoir des ennuis. Je vais être... Qu'est-ce qui s'est passé? En quoi ça te regarde, misthios? Tu sais quelque chose sur tout ça? Je suis une professionnelle. Et une amie. Ah oui? Et qu'est-ce que ça veut dire? Que si j'avais fait ça, j'aurais eu au moins le bon sens de cacher les preuves. C'est vrai. Il faut être idiot pour faire une chose pareille. Laisser des traces comme ça, un peu partout. Ou alors il s'agit d'un message. C'est Stentor qui m'envoie. Pour aider ceux qui en ont besoin. Stentor t'a envoyé ? Sparte ne contrôle pas tout Mégaris. Pas encore. Il y a des lieux que je peux rejoindre plus facilement qu'à Spartiate. Les Athéniens se sont montrés plus résistants que prévu. Mais ils ne peuvent rien... Contre Sparte, oui. Je connais le refrain. Mais en attendant ce jour de gloire, il faut découvrir ce qui s'est passé ici. Tu en as une petite idée? Pas encore, mais ça va venir. Je devrais m'approcher pour savoir ce qui est arrivé ici. Ce sont des soldats de métier qui ont été massacrés. Ça m'étonnerait que ce soit l'œuvre de bandits. La cargaison a disparu. Ils ne peuvent pas être loin. Ils ont laissé les chariots. Apparemment, ils sont allés par là. Dans la forêt. Il n'y a plus rien à trouver. Je devrais aller faire mon rapport. Alors, c'était des Athéniens? J'ai trouvé des fragments d'un cristal vert. Des bandits, alors? La guerre les rend insolents, et ces montagnes ne manquent pas de grottes. Si c'était des Athéniens,
Ils auraient utilisé les chariots pour le transport. Et des bandits n'auraient eu aucune chance face à des soldats spartiates. Alors, à ton avis ? Je me demande. Les coupables sont entrés dans la forêt. Autant commencer par chercher là-bas. Les voilà. Quelqu'un cuisine près d'ici. C'est une fête privée, où tout le monde est invité. Comment ? Qu'est-ce que tu fais là ? S'il te plaît, va-t'en ! Vous n'avez pas l'air de meurtrier ? Quelle erreur ont commise les sorcières ? Quoi ? Non ! Attends ! S'il te plaît, tu ne comprends pas ! Qu'est-ce qu'il y a à comprendre ? Tout ça me paraît très clair. Pitié ! Laisse-moi plaider notre cause ! Tu ferais mieux de rendre les vivres. Et de me dire pourquoi je ne dois pas vous tuer. Je t'en prie. Je vais te dire ce que tu veux savoir. Expliquez-vous. S'attirer la colère des Spartiates n'est pas une bonne idée. Je t'en prie. Nous ne sommes pas des voleurs. C'est le fruit de notre travail. Ce sont nos récoltes. Ils l'ont pris sans rien nous laisser. Nos enfants meurent de faim. Et le meurtre, c'est votre vengeance ? Quel bel exemple pour vos enfants. Non. Non, je t'assure, crois-moi, nous n'avons fait de mal à personne. Un misthios nous a dit où trouver les vivres. Ils étaient déjà tous morts. Vous n'êtes qu'une minable bande de voleurs. Par les dieux, non! Nous vivons à Mégara. Cette guerre nous a déjà valu tant de malheurs. Je t'en prie, accorde-nous ta pitié. Comme vous avez eu pitié des soldats spartiates. On a seulement pris des vivres. Saïr Kanos qui nous a donné la permission de les prendre. Il a dit qu'il nous faciliterait les choses. Irkanos ? Oui, le mercenaire. Il a promis qu'il nous aiderait, qu'il nous fournirait des vivres, et que les Athéniens ne laisseraient pas le peuple mourir de faim. Ça suffit ! Je ne suis pas là pour écouter des discours. Il est trop tard pour discuter. Je veux savoir qui est derrière ce crime contre Sparte. Écartez-vous, et je vous laisserai la vie. Je vais rapporter ces vivres aux Spartiates. Pour ça, il faudra nous passer sur le corps. Ne sois pas stupide. Prenez quelques vivres, de quoi tenir un moment. Je dirai que je vous ai tué et je rapporterai le reste. Ça leur suffira. Et nos familles ? Que vont-elles manger ? Si vous mourrez, vos familles vont mourir aussi. Alors acceptez mon offre et arrêtez de voler. La prochaine fois, vous aurez affaire à quelqu'un de moins gentil. D'accord, misthios. Merci. Ah ! Allez, prenez ce que vous pouvez et partons. Vite ! Les dieux soient loués, ils n'ont pas cherché à se battre. Je n'avais pas très envie de tuer des gens affamés. Come on.
Est-ce que tu as trouvé les coupables ? J'ai trouvé tes vivres. Et un groupe d'habitants affamés. Et ? Et tes hommes les avaient volés. Ces gens mouraient de faim. Nous avions besoin de ces vivres pour les troupes et pour chasser les Athéniens de Mégara. Des habitants affamés ne sont pas un problème. Mais il y a autre chose. Tu as entendu parler d'un mercenaire du nom d'Hyrcanos ? Hyrcanos ? Oui, à en croire les rumeurs, il travaille pour les Athéniens. Eh bien, c'est lui le coupable. Ah ça, les mercenaires sont des gens tenaces. Tu as bien agi, mais si tu tiens réellement à aider Sparte, j'ai une tâche à te confier. Qu'est-ce que tu as en tête ? Traque-le. Montre-lui que Sparte ne laissera aucun mercenaire contrecarrer ses projets. Si c'est ce que tu penses des mercenaires, pourquoi m'envoyer ? Pardon, mais ce Hyrcanos est une véritable épine dans notre pied. Il menace tous les Spartiates qui sont ici. Tu veux bien nous aider ? Je vais m'en occuper. S'il est si gênant, j'imagine que la récompense est de taille. Bien sûr ! Pense à tout ce qu'il aura sur lui, à toutes les drachmes qu'il a reçues d'Athènes pour nous nuire. Tu dois avoir raison. D'après toi, par où dois-je commencer ? Il peut être n'importe où, mais je dirais près des Athéniens. Nous avons envoyé plusieurs patrouilles, mais elles ne sont pas rentrées, et je n'ai plus d'hommes à envoyer pour l'instant. Parfois, il vaut mieux envoyer une femme. Thank you.
c'est sûrement le campement d'Hyrcanos. Lucratif. Je devrais peut-être traquer plus de mercenaires. Ce dont tu es capable. Je vais vite retrouver ta trace. Je te tiens maintenant. Tu es toujours en vie? Attends un peu que je te retrouve! Pour les dieux! Abandonne, ça vaudra mieux. Thank you.
Megara, la capitale. Si le chef est quelque part, ce sera là. Hyrcanos, le mercenaire, est mort. Sparte te remercie, misthios. Et ma récompense? Nous n'avons pas conclu de contrat. C'est toi qui t'es lancé dans cette aventure. Mais sache que Sparte t'est reconnaissante. Parfait.